Oui, je suis venue, oui, parce que je suis sortie du rebus et Wow. je vous dis que la mutinerie là, moi ça ne m'étonne pas. Hein. Comment ça? Bah, écoutez, on dit que le temps de l'esclavagisme est fini. Voyons, c'est que tu n'es pas allé à rebus. Même le mouton à l'arrière-cour de la maison est mieux traité. Voyons, c'est vrai qu'on fait des erreurs. Parfois, seulement. Parce que parfois, autre, hein, c'est la justice qui en fait. Mais avant que la justice se rende compte qui a fait une erreur, nous, on est très malais de commissariat à commissariat avant d'arriver à Rebus. Et puis tu sais, quand tu sors de là-bas, tu n'as même plus de dignité, quoi. Tu veux aller aux toilettes, c'est 300 paires d'yeux qui te regardent. Billahi, je te jure. Oui, le mot intimité, tu l'enlèves de ton vocabulaire. Et puis tu sais, toi, tu apprends à être un petit bandit seulement. Et le juge, il prend pas ça en considération. Il te met dans la chambre de grand bandit confirmé. Voyons. Moi, mon chef de chambre, oui, aïe, aïe, tu le regardes seulement. Et puis tu sens comme quelque chose de chaud sur ton pantalon. Oui, en fait, tu te rends compte que c'est ton pipi. Mais attends, te moque pas, ouais, Mariama. Pardon. Tu n'as pas vu le mec. Tu sais, Dak Vador à côté. C'est rien. Tu regardes le gars. Tu as l'impression que de ce côté de sa tête-là, il y a son cervelle qui sort. Et puis son front, il n'est pas plané. Tu as les mamelles d'un côté et les chutes du Niagara de l'autre. Mais style saison sèche, quoi. Tu sais, quand tout est crevassé de partout. Tu vois, ses yeux, hein? Il faut les chercher parmi tous ces reliefs. Mais tu ne cherches pas longtemps. Parce que tout d'un coup, tu vois deux trous avec un point noir au milieu. Et puis tout au rouge, tout autour, hein, rouge furieux. Et c'est là que tu sens quelque chose de chaud longer ta jambe. Tu veux fuir, mais on te claque la porte au nez. Et là, tu te dis, dès que t'es l'enfer est sur terre. Je te jure, tu pouvais même pas imaginer qu'on pouvait entasser autant de personnes dans une seule chambre. La pouffe, tu pleures en mangeant. Pourtant, moi, je n'avais rien fait. Je Qu'est-ce que tu te avais jure, fait? je n'avais rien fait, hein? Je Monsieur. marchais tranquillement dans la rue. Je t'explique, hein? Et puis, il y a un coq qui me suivait. Je lui dis, qu'est-ce? Ah, tu vois? Mais il me suivait encore. Je lui dis, qu'est-ce? Mais il me suivait encore. J'ai dit, ah, il m'aime bien. Je vais l'adopter. Je l'ai mis dans mon sac. Oui, aïe, oui, ça m'a dit erreur. Je me suis retrouvée direct à Rebus. Pendant longtemps. Voilà, mon grand-père disait, ce qui t'appartient pas, ce n'homme pas touche. C'est vrai, ça.